Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à Playroom, ce nouvel épisode de Starbound V4, please, Giraffe. Et donc chers amis, on va se préparer à continuer un petit peu notre aventure. Hop, voilà, par exemple avec ceci. On va aller voir, ça nous en fait combien? Ça nous en fait 3 ou 4? 3, dommage, on aurait pu avoir une amélioration du matter manipulateur. On va aller voir ici, on va voir si on peut faire un petit peu de tout ça. On va pas faire 2 Aegisalt. 2 Violium, pardon. Et on n'a pas encore trouvé le rouge. Haha. On va aller voir aussi si on a quelques techs sympathiques et totalement nouvelles. Clairement non. Et donc on va redescendre cette planète et on va aller creuser un petit peu, chers amis. On va voir un peu ce qu'on peut trouver sur ce genre de planète et ce niveau de difficulté. Ça tombe bien d'ailleurs, on a un petit passage de ce côté-là. Hop. Hop, et ça c'est fait. On a une grotte. L'avantage de la neige, c'est que ça se casse facilement. 3 agressions devrait pas être trop difficile au début en tout cas. Hop. Je rappelle que je suis actuellement pas sur le serveur. Et c'est intentionnel. En tout cas pour le moment. Si on a un petit peu de violium, vous voyez, en fond, ainsi que un petit peu de rubium. On a là quelques petites choses intéressantes, mais pas vraiment utiles. On va vraiment s'orienter au niveau des minerais. Ah mince. Ça c'est de la roche qui est assez dure à casser. Si on peut peut-être en passant par là, arriver ailleurs, ce serait cool. Pas tomber sur cette couche, ça serait vraiment intéressant. Et apparemment, on est maudit, chers amis. Ah, attendez, quoique. Continue à descendre. On a un petit peu de violium là, donc on va le prendre malheureusement. Hop. Alors, en longeant cette couche, peut-être qu'on va pouvoir trouver quelque chose d'autre. Ah, déjà, il y a un passage un peu moins épais, on va dire. Avec du diamant au fond d'ailleurs. Ce qui est toujours intéressant. Et du rubium et des différents minerais à chier partout d'ailleurs. Alors, récupérons tout ça. Si je ne me trompe pas, non je vais pas m'avancer tout de suite, je vais pas dire de bêtises tout de suite. On reverra ça une fois qu'on aura vraiment l'intégralité de ces choses. Hop. Il va nous en falloir une quantité assez importante normalement. Car il nous faudra réaliser la table qui va avec, donc la table de craft qui va avec chacun de ces composants. Hop. Voilà. Et donc en fait ça va orienter ça va donner vraiment un aspect un petit peu, j'ai envie de dire MMO, en tout cas RPG au jeu. Parce que c'est de la spécialisation au final, chers amis. Hop. Ça c'est fait. Voilà. Ok. On a revu un petit peu plus par là, donc on va plutôt s'orienter vers le bas. Ah, j'en ai vu derrière aussi. On a un petit peu d'Aegisalt ici, donc on va en profiter aussi. Du rubium toujours un peu partout. Alors, je crois que j'ai toujours trouvé que le rubium se trouvait en plus grosse quantité que le reste. Mais apparemment c'est vraiment très subjectif. Nom de Dieu. Putain, je rêve, chers amis. Je vais pas le casser tout de suite. Je crois que c'est du diam. Putain, la vache. C'est la première fois que j'en vois un fait de diamant comme ça, un truc comme ça. Donc c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Là on en a un en argent juste à côté. Je vois le petit diamant, je vais peut-être pas m'embêter à le... Oh, je vais le prendre parce qu'il y a du rubium à côté. J'en profite. Voilà. Hop. Alors cette planète est intéressante, elle a beaucoup de grosses cavernes comme vous pouvez le voir ici.
Elle a des coffres et du diamant à chier. Avouons-le. Avouons-le, chers amis. Oh, elle a du monde aussi. Elle a du monde au balcon. Hop. Oh, il m'a touché de là. Oh. Bon. Le diamant, c'est parti. En grosse quantité, donc on n'hésite pas à le prendre. Surtout que maintenant il est devenu vraiment nécessaire à la progression. Vis-à-vis du matière manipulateur et tout ça. Hop. Voilà. Parfait. Génial. Si on a des compos à chier aussi partout, donc c'est cool, on les prend. Voilà. Une fois qu'on aura une bonne cinquantaine de commandes de chaque, on remontera pour faire le point sur ce qu'il nous faut exactement. D'ailleurs, on va les regarder vite fait. Vous voyez, à Gisalt, on n'en a pas des masses. Alors, ils sont où maintenant? Ils sont là. À Gisalt, on en a que 7. 64 en rubium, vous voyez, donc ça c'est potable. Et violium, on en a que 25. C'est vrai que la Gisalt, j'en ai pas vu des masses encore. Un petit peu là, vous voyez, il y a des petits bouts par petits bouts, mais sans plus. Ok. Donc chaque petit bout d'Aegisalt sera à prendre. Là, il y a une chie un petit peu. On n'hésite pas à bourrer. Hop. Dommage que tu sois agressif, toi, mon pote. T'es mignon. Bon. Je vais baisser le niveau d'eau. Parfait. Rien par là. Elle est un petit peu là-haut. Mais ça va être inatteignable pour le moment. Et dans la descente, apparemment, il y en a un petit peu aussi. Oui, il y en a dans la descente. Ça, c'est intéressant. Alors. Tiens, une effigie du seigneur lapin. Le seigneur Wabbit. Le Wawabit. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui voient la référence, mettez-la dans les commentaires, chers amis. Vous aurez droit à un plus, hein. Bon, là, on en a en grande quantité de violium, donc je vais en prendre. Hop. Surtout qu'il nous en manque un petit peu. Hop. Alors. On a dans ce coffre un pistolet à 16 de dégâts. Moi j'ai un pistolet à 15, donc je vais prendre le pistolet à 16. Prendre les 3 sacs, enfin le sac, oui, enfin les... je me suis compris. Alors ici on aura de l'or à chier par contre, ça c'est cool. Un coffre. Du. De la Aegisalt, pardon. Avec du rubium. Du coup, vu la quantité de rubium qui s'y trouve, on va en prendre quand même un gros paquet. Ça se trouve, ça pourrait nous faire une première armure, une première ébauche d'armure. Et de toute façon, pour la suite, il faudra donc avoir ces matériaux en grande quantité pour en faire un alliage. Donc un mélange de ce matériau et d'autres choses. Vous verrez quoi plus tard. Oh, une deuxième statue. Moi qui pensais que c'était plus rare que ça. Hop. Hop. Voilà, ça se passe extrêmement bien, chers amis. Dans la mine, dans la mine, dans la mine. Tu pioches, tu pioches, tu pioches, tu pioches du matin jusqu'au soir. La 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 la. Bon, je pense qu'on va avoir une petite cinquantaine de chaque.
Je vais rester sur cette planète pour aller le farmer quand même, parce que je trouve que la quantité est vraiment intéressante. Souvent, on a du mal à trouver les 50 du premier coup. On est à combien là? 51, ouais, on a 50 partout. Parfait. Mais écoutez, on va remonter, chers amis. Wow, le vieux lieu m'a chié partout, là, à droite. Hop, là, ça prendra. Et donc avant toute chose, on va aller se renseigner sur les différents types d'armures que représentent ces différents minerais en fait, tout simplement. Oh là là, ça c'est la caverne des Libaba, chers amis. Hop. Voilà, je retrouve la route, hein. Ce qui ne devrait pas être trop compliqué. C'était là, hein, oui, j'espère. Oui, c'était là. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Ok, on est ressorti. Et on remonte. Alors. Dites-moi tout. Hop. Crac. Crac. Et crac. C'est pas la bonne chose, c'est ici. Alors. Ah oui, il va falloir une chier de réplicateur, c'est ça. Ah, c'est parfait, j'ai juste ce qu'il faut. Ah, il fallait déduire un steel bar aussi pour celle-là. Ah, je savais pas. Titanium bar. Heureusement, je vais en avoir quelques-unes. Pas suffisamment, en tout cas. Alors, j'ai fait plus ou moins du rangement, chers amis, mais je vais insister sur le plus ou moins. Hop. Donc non, je vais pas en avoir assez. Haha, forcément. Non. 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 Et non. Bon. Bah on saura ce qu'il faudra farmer dans le prochain épisode, chers amis. Hein. Soit ça, soit les pixels, soit comment ça s'appelle, mince, les minerais. Parce qu'on va peut-être aller à l'autre poste, simplement aller acheter tout ça. Donc les amis, bah, écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. Je suis désolé que ce soit aussi court, malheureusement je suis pressé par le temps aujourd'hui et dans la longueur de mes vidéos vis-à-vis du fait que je vais devoir prendre un petit peu d'avance pour un week-end. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à pouce vériser, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre dans le groupe Steam ou dans lequel vous pourrez retrouver l'adresse IP du serveur qui est fonctionnel. Il faut simplement ne pas cliquer dessus, il faut vraiment le copier-coller. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens!